François Beaumont, tiers livre, 10 questions sur livres numériques. Elle s'appelle Jade, elle est étudiante à Lille, je crois. Oui. Et c'est que ces questions, souvent, des petits devoirs, donc petits mémoires, les machins, trucs, à force, je pense que je ne suis pas le seul, on prend un peu distance, parce que souvent c'est. Pourquoi pas même des quiz ou en tout cas des choses envoyées à plusieurs personnes. C'est rarement lié à votre travail à vous. Et puis d'autres fois, la façon de formuler, la façon d'approche, la prise de contact. Là, c'était sur via LinkedIn. On se dit, tiens, allez, on entre dans le dialogue. Et ça a pris du temps. J'ai dit, ouais, mais là, sur ces questions, il y a telle vidéo, éventuellement, vous pouvez aller voir. Puis une bonne semaine ou 10 jours après. J'ai pris le temps, voilà les 10 questions que je pourrais développer dans mon mémoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci à elle et on y va. En tant qu'écrivain, avez-vous une préférence sur la publication de vos livres? Préférez-vous qu'ils soient publiés en format papier, numérique ou les deux? Et d'emblée, quand tu dis ça, j'ai attention. Est-ce que je suis obligé de choisir? C'est-à-dire, on parle livre, on parle donc d'un texte qui peut apparaître selon deux modalités de support. Est-ce que je vais aller plutôt vers l'un, plutôt vers l'autre? D'abord, c'est une question de l'éditeur qui va décider. Et pour moi, difficile de poser ces questions sans faire intervenir à l'intérieur le contexte, en aval et en amont. Alors, le contexte, ben justement, les deux, mon capitaine. Moi, dans mes pratiques de lecture, je crois que je pratique les deux avec intensité. La lecture numérique, pour moi, c'est plutôt le moment du soir, compris parce que j'ai pas besoin d'allumer la lumière. C'est un confort énorme. On reviendra sur cette question de confort. Par contre, quand je suis là à la table, j'ai plus besoin, la part du feu de Blanchot, je l'ai en numérique, je l'ai en papier, j'ai plus besoin de manipuler ça. Ça aussi, on va en regarder. Mais en gros, je pratique à égalité les deux lectures. Ce qui me gêne plus, c'est quand on m'oblige à choisir. Justement, à prendre de celui-ci, tu n'auras que le papier parce que le numérique n'est pas disponible. Ben, là, tout d'un coup, on entre un petit peu dans un espace où je veux exercer mon choix par rapport à mon usage. Ces petits Kindle, alors est-ce que je trimballe dans les transports? J'ai toujours mon téléphone. Est-ce que j'aime lire sur mon téléphone? Non, pas tellement. Je me vois pas là dans le train ou des trucs. Ouais, un article de journal, un truc de mail, un truc de réseau, mais pas lecture dense. Donc cette question, par exemple, de la taille et de la surface page, voilà qui va venir. Alors ça, c'est la question pour moi en aval. Mais tout simplement, qu'est-ce qu'on propose dans les deux formes? Et là, ça renvoie d'emblée à la question de l'amont. Bon, le premier ordi, c'est 1988. Ça veut dire qu'il y a plus de 30 ans, il y a presque un tiers de siècle, que la gestation de ce qui devient livre s'effectue sur des outils numériques. Ça veut dire que la question même aussi du chantier, de l'élaboration, des matériaux qui accompagne le chantier et du point terminal de ce chantier, là où on appelle ça le send, où on l'envoie à l'éditeur, à un autre intermédiaire, à un geste qu'on se réserve soi-même d'accomplir, eh bien, le primat de ce qu'on nomme livre en tant qu'aventure de vie, en tant qu'expérience sur soi-même, il est là, dans les disques durs, dans l'écosystème que constitue la fabrique numérique du livre. Ensuite, on le réalise sur différents supports. Ces différents supports, ils partent, j'allais dire, de ce même état stabilisé, et encore,
là. Ça peut être aussi quelque chose qu'on renouvelle ou qu'on laisse évoluer, mais on établit soi-même auteur que tel est le point stabilisé à partir duquel le processus long d'écriture, qui pour moi est entièrement numérique, va s'installer de façon fixe sur des supports. Et donc la possibilité, si c'est le livre, le lecteur se l'accapare, si c'est le numérique, télécharge le fichier, mais dans des usages de temps et de liberté d'accès qui ne m'appartiennent pas. Est-ce que c'est simplement, dans ce cas-là d'ailleurs, la question du livre et de la tablette? Par exemple, ici, je suis en vidéo, j'ai un micro. Pour moi, dans n'importe quel chantier d'écriture, cette question-là de ma profération par le corps, comme idem si ce livre est publié et que j'en propose une lecture dans un festival ou un lieu culturel ou sur une scène ou de performance ou tout simplement partage individuel ou collectif, tout ça participe de la même base. C'est-à-dire que pour moi, sa question, c'est pas celle de dire d'opposer ou même de dire c'est ça qui compte ou c'est ça qui compte, c'est de dire ce qui compte, c'est le geste de publication, de remonter en amont là où on décide publication. Cette publication, à ce moment-là, est-ce qu'elle est numérique ou imprimée? Est-ce que ça change? Par exemple, pour moi, c'est évident que la part numérique, quand on fabrique de l'imprimé, dans la mise en page, dans la correction, dans la maquette, dans la préparation du PDF, ou des deux PDF plus exactement, qu'on envoie pour que le livre se matérialise et soit imprimé, et les métadonnées qui l'accompagnent, c'est une logique numérique, largement, du point de vue du numérique, plus complexe que ce qui se passe quand on fabrique, maintenant on sait faire, les fichiers EPUB qui se lancent en circulation. Donc pour moi, est-ce qu'il faut choisir de l'un à l'autre? Ce qui me met en rogne, par exemple, c'est que là, quels que soient les droits d'auteur que m'accorde l'éditeur sur un texte imprimé, bon, je veux bien, il y a la part matérielle de distribution, la part de fabrication. Si c'est un texte numérique, il y aura la part de serveur, mais la commission des distributeurs, que ce soit Fnac ou Apple ou Amazon ou n'importe, mais ça n'a rien à voir comme équilibre avec ça. En tant qu'auteur, est-ce qu'il est légitime que j'ai le même taux de droit d'auteur sur ça que sur ça? Non, je vais leur dire, là on rigole pas, là tu me donnes 12, mais là je fais pas moins de 20. Et on commence à maintenant le savoir. Par contre, dans la logique du prix, si un livre, mettons un livre un peu plus grand, là je suis en train de relire Maurice Blanchot, La part du feu, est-ce qu'il est vendu, je sais pas, j'en sais rien, mettons qu'on le trouve à 20 euros, peut-être qu'on le trouvera en poche, je sais même pas si La part du feu est en poche, enfin je suppose, peut-être à 6 ou 7 euros, pour moi le fichier numérique il pourrait être vendu à 5 euros. Est-ce que c'est légitime que les éditeurs, pour simplement dire « Non, on se défend des cas de fer contre l'éventuel avalement du numérique par le livre », ce à quoi moi je ne crois pas du tout, eh bien, on met un prix du numérique. Si le livre est à 20 balles, on met le numérique à 14 balles. Et puis le poche, lui, il sera à 7 balles. Ben là, par contre, c'est des questions de politique, c'est pas des questions du choix de l'auteur, et ça fait partie, pour moi, de la donne. Mais cette question-là, de sortir de la fausse opposition, livre numérique, et je n'en veux pas à mon interlocutrice de poser ces questions en termes d'opposition, c'est s'il y a cette opposition, appuyons-nous sur l'opposition pour remonter à cette instance de la publication. D'ailleurs, elle dit numérique, c'est sur la liseuse ou sur l'ordinateur. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Ce qu'on peut travailler en termes
de versions, en termes de logique de l'écriture successive, en termes de jeu avec les images, en termes d'inclusion avec les versions audio ou vidéo, dans un écosystème ordinateur que dans le seul écosystème qu'on dit homothétique, c'est-à-dire l'homothétie parfaite qu'il y a entre le texte sur la liseuse et le texte sur le livre, la différence étant seulement que sur la liseuse, c'est vous, lecteur, qui, en pinçant comme ça, définissez le format de la police, la taille, définissez la typographie appartient au lecteur. Tandis que là, elle appartient à l'auteur. On est déjà d'ailleurs dans la suite des questions. Pensez-vous que le livre numérique a des avantages que le livre papier n'a pas pour les lecteurs? Pour moi, le premier avantage qui m'attache, qui a changé mon usage du livre, c'est pas des questions de préférence, c'est la question de la recherche par occurrence. Alors, que je sois sur l'iPad, là, qui est plus souple de ce point de vue-là, donc c'est un ordinateur qu'on tient en main, en gros, ou la liseuse, mais avec sa fonction de recherche qui est extrêmement puissante, c'est-à-dire vous téléchargez un texte, le texte n'est pas indexé. Par contre, dès que vous faites une première recherche à l'intérieur, là, la machine va indexer la totalité du texte, et ensuite vous pourrez chercher toutes les occurrences que vous voulez. Si je prends un outil de travail pour moi essentiel, bah, tenez, I Am Providence, la grande biographie de H.P. Lovecraft par S.T. Joshi, vous voyez que ces livres, ça fait 10 ans que je les ai et ils ne sont pas usés. Pourquoi? Parce que chaque fois que je cherche un nom, chaque fois que je cherche une date, chaque fois que je cherche un lieu, eh bien, je le fais là, parce que le livre, je l'ai aussi en numérique. Et cette recherche, la question de la recherche par occurrence, je pense à Henri Michaud, à Julien Gracq, et en tout cas, je l'ai développé aussi pour Marcel Proust et tant d'autres, en tout cas, comme tout un chacun. La question de pouvoir rentrer à n'importe quel endroit par la recherche d'occurrence, et qu'est-ce que signifie la recherche d'occurrence sur les fréquences, sur les vocabulaires, c'est un outil d'appréhension du livre totalement essentiel pour quelqu'un qui écrit. Donc, pour moi, ça, l'avantage du livre numérique sur le livre papier, c'est que là, on peut avoir une table des matières. Souvent en France, d'ailleurs, c'est toujours ce réflexe de le mettre à la fin, alors que dans le monde anglo-saxon, on le met au début. Mais je n'ai pas de recherche d'occurrence. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'irréductible. Considérez-vous le livre papier comme un objet d'art et que le livre numérique pourrait noircir cette image artistique du livre papier? Ça, c'est une question hyper intéressante, parce que le livre objet d'art, on ne parle pas du livre d'art, on parle du livre avec lequel on peut avoir un rapport esthétique. Un rapport esthétique dans toute l'exigence esthétique qu'on peut demander, et cette exigence esthétique, elle est aussi dans le toucher, dans le grammage du papier, dans la tonalité du papier, même quand on fait du print on demand, on peut chercher un papier crème, un papier bouffant, un papier lisse, un papier presque bible. Elle est dans le rapport de la maquette avec un rapport à la taille de la main. Alors toutes ces choses-là, on peut les retrouver dans l'univers numérique, la taille de la main, la question du toucher de l'objet, le Kindle, je pense que de ce côté-là, il est sacrément étudié, là, dans ce grain, cette histoire, par exemple, d'Apple, qui s'était fait, soi-disant, copier par Samsung, l'arrondi des coins de l'iPad. Samsung, condamné pour une copie, a versé 5 millions de dollars, je crois, à Apple, et puis tout simplement qui envoie un énorme semi-remorque rempli de pièces jaunes de 5 cents et qui fait dévaler son camion de pièces de 5 cents en plein milieu de la cour d'honneur de Cupertino. Bon, ça, c'est de la légende, mais cette question esthétique, enfin, cette question du livre papier comme objet d'art, je ne sais pas trop comment la prendre. Pour moi, est-ce que le livre est un objet d'art ou un objet d'usage? C'est un objet qui m'accompagne, c'est un objet qui m'aide à me relier
profondément à l'art. Si je lis Blanchot, c'est parce qu'il me relie à Mallarmé, à Kafka, à Rilke. Et est-ce que c'est pour autant une œuvre d'art en elle-même? Je pense à Sandrard qui partait en bagnole, il avait un Rimbaud pour ça, il déchirait 10 pages de son Rimbaud, ils étaient dans la boîte à gants de l'Alfa Romeo, et cette chose-là, le livre comme objet d'art, non. Par contre, le livre numérique pourrait noircir cette image artistique du livre papier. Je crois que pour nous qui travaillons sur l'élaboration numérique de nos textes, évidemment, c'est la question du soin. C'est-à-dire que, prenez les téléchargements gratuits, là, ce truc numérique, c'est des fichiers qui ressemblent à rien, les apostrophes qui sont des apostrophes code, des apostrophes typos, les césures des mots qui sont ni fait ni à faire, les petites instructions que si vous avez un titre ou un sous-titre, le paragraphe soit lié, les fonctions basiques, aussi bien sur Word que sur InDesign, etc. Ça n'a pas été transposé dans l'EPUB, alors qu'on sait très bien faire cette injonction, de cette instruction de collage. Cette démarche, je dirais plus artisanale qu'artistique, mais on a chacun dans nos réserves numériques, et là je pense plus à ce qu'on peut ouvrir avec l'ordinateur. On ouvre des univers artistiques avec l'ordinateur, y compris même un jeu vidéo est un univers artistique. Donc le numérique n'est pas du tout incompatible avec une construction artistique d'objets. Pensez-vous que le livre numérique permet d'éditer plus d'auteurs? Là, je dirais que ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est comment le livre papier, c'est un truc... je ne vais pas prendre Duras parce que ce livre-là, le camion, je le révère, mais un livre de 200 pages, la FAB, ça coûte 2,15€, 2,40€. Donc la stratégie éditoriale, voyez les rentrées littéraires, voyez le nombre de titres publiés par an, c'est entretenir une surproduction. Elle n'est pas artificielle, elle est décidée. Parce que s'il y a 560 livres à chaque rentrée littéraire, et bien, au bout de 3 semaines, on sait les 20 ou 30 qui vont pouvoir assurer 5 semaines de vente, et puis tous les autres vont partir et disparaître. Donc le plus d'auteurs, actuellement, c'est beaucoup plus la logique de l'édition papier que la logique de l'édition numérique. Est-ce que dans le numérique... où est la frontière? C'est la frontière que vous-même pouvez publier votre texte. C'est-à-dire qu'on a accès en tant qu'auteur, ce qui était loin d'être le cas quand, moi, dans les années 80, j'ai commencé à travailler avec Minuit. Est-ce que j'avais accès à la mise en page, à la fabrication, à la distribution? Non, j'ai énormément appris avec la personne qui s'en occupait à Minuit. Ça, c'est autre chose. Mais l'intermédiaire était obligatoire. Alors que les musiciens, prenez Jimmy Page, Keith Richards, Woody Allen, des petits magnétophones, ils avaient déjà tous à portée de main. C'est une garage band, comme disent Apple pour leur logiciel de musique. On sait fabriquer, en tant qu'artiste, un objet qui peut partir dans la diffusion ou la distribution. Ce qui n'empêche pas que le côté extrêmement pointu qui peut venir par le collectif, par un studio de production extrêmement sophistiqué, analogique, ou le lieu même avec du beau bois, vernis, etc., ça vous l'aurez pas en tant qu'auteur individuel. Mais ce principe-là d'être libre, d'installer son objet dans la diffusion, alors... Est-ce qu'on s'intéresse au fait que dans une société, il y aurait trop de musiciens? Parce que il y a combien de gens qui ont une guitare derrière eux, qui ne s'en servent pas, qui ne savent pas s'en servir? Bon, on ne va pas les punir pour ça. On a tous à gagner à ce que le rapport lecture-écriture soit aussi basé sur une pratique. Pourquoi j'ai passé 30 ans de ma vie sur les questions d'atelier d'écriture? Parce que l'enseignement de la littérature, et j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup gagné là-dessus, c'est pas quelque chose de vertical en disant « Waouh, il y a les socles et puis les grandes statues ». Non, c'est si on développe la pratique. Si on vous dit « Là, toi, dans la singularité de ce que tu développes quand tu écris, voilà le rapport avec telle ou telle figure de la littérature, et ça peut t'aider ». À ce moment-là, on gagne sur la transmission. Donc la question du plus d'auteurs, pour moi... Non, elle s'efface devant la question de comment
on continue de développer cette relation à la pratique, et que cette relation à la pratique, c'est elle qui fonde des usages autres de la lecture. Et pas simplement dire oh, que c'est beau la lecture, que c'est miraculeux la lecture, on fait des grandes opérations nationales, on s'arrête un quart d'heure et on lit pendant un quart d'heure quelque chose. Non, arrêtez avec ça. Pensez-vous que le livre numérique pourrait permettre de faire lire un plus grand nombre de personnes? C'est une question que j'aime bien, je répète. Pensez-vous que le livre numérique pourrait permettre de faire lire un plus grand nombre de personnes? Je dirais d'abord qu'on le saurait. Parce que la médiation du livre numérique, c'est un outil sophistiqué. C'est-à-dire, vous investissez dans quelque chose de plus cher qu'un livre, même si ce n'est pas des prix, je crois que le Kindle de base doit être, ou la Kobo de base doit être à 80 balles. Mais bon, si vous voulez un petit éclairage de truc, si vous voulez que ce soit étanche, si vous voulez avoir suffisamment de mémoire dessus, bon, le mien, je crois que ça coûte dans les 150, 160 pour un appareil un peu sophistiqué, c'est pas rien. Ça fait 6 ou 7 livres comme ça. C'est-à-dire qu'il faut en avoir, il faut avoir l'usage pour que l'appareil soit pertinent. Par contre, dans l'appareil, justement, je peux m'installer des bibliothèques. C'est-à-dire que c'est pas pour moi les romances ou tous ces machins-là, mais des auteurs comme Michael Connelly, que je lis en ce moment, ou David Grisham, enfin ces Américains-là dont je me régale comme tout un chacun. Est-ce que c'est la littérature de divertissement seulement? Je sais pas, c'est pas la question, mais ces textes-là que je lis en américain, je les achète jamais en papier. Et par contre, dans mes relations là de travail, tu pars une semaine, tu pars 15 jours, tu pars un mois, tu as tout ton Nerval, tu as tout ton Balzac, tu as tout ton Jules Verne, tu as tout ton Montaigne, tu as tout ton Proust, etc., etc. Ça veut dire que j'emmène là ce qui m'entoure du point de vue d'une bibliothèque suffisamment large pour trouver, disons, à mesure, ce que je souhaite lire. Donc il y a quand même un saut qui est là, et ce qui est dans la question, c'est dire, est-ce que le fait d'avoir des instruments comporte chacun sur nous? Le moindre collégien dispose de son téléphone. Vous voyez les gars qui fait la manche au feu rouge, un feu rouge sur deux, il s'arrête et puis il regarde ses messages. C'est pas la question, ça veut dire que cet objet maintenant dispose d'une symbolique qui lui est propre, et dans ces symboliques, évidemment, vous les regardez dans TGV, ils sont tous avec des Candy Crush trucs, machin. Avoir des outils aussi beaux pour faire des trucs aussi cons, ou et converser, là, t'es où? Bon, mais c'est pas ça, ça veut dire que en même temps, tu peux lire et lire des contenus sophistiqués. Je peux aller regarder un article dans Nature sur les questions là, de l'activité frontale du cerveau qu'on est en train de complètement réviser. Donc, est-ce que le fait de disposer d'un outil de lecture sur soi-même à mesure, par exemple, les copains africains, on parle beaucoup aussi de ça, c'est-à-dire que le téléphone est un outil de propagation fantastique. Est-ce que pour autant, alors qu'il est capable d'embarquer des livres, d'embarquer des modes de lecture, par exemple la lecture feuilleton, la lecture série, est-ce que pour autant, le geste de lire supprime sa médiation et devient et s'élargit dans peut-être justement ce que nous, on aspirerait, ce à quoi on aspirerait tellement, d'un point de vue de démocratie, d'un point de vue de liberté. Bon, on est bien forcé de reconnaître que non. À l'inverse, le côté populaire du livre, vous l'avez dans tous les kiosques de gare. Moi, j'ai une collection de petits Lovecraft là. À 6 euros, collection point, commonplace book, Ténèbres sur Innsmouth, Montagne de la folie, la couleur, je fais mon petit cinéma là. Vous les trouvez où? Vous les trouvez dans les gares, dans les Fnac, vous les trouvez partout, vous les commandez à 6 balles et moi je touche quoi? 4% sur les 6 balles. N'empêche que ce côté populaire de l'accès, de la forme, du prix limité, garde une symbolique. Une symbolique du livre dont le téléphone n'est pas.
capable, que le téléphone n'est pas capable de conférer, justement, à ces mêmes usages. Et globalement, merci ma petite traduction Lovecraft, ben, ça fait du bien chaque année pour... C'est pas facile la vie d'un auteur. Pensez-vous que le livre numérique pourrait permettre de faire lire un plus grand nombre de personnes? Et puis ensuite, avez-vous peur, en tant qu'auteur, qu'un livre publié numériquement risque davantage de copies, plagiat, partage non autorisé? Alors là, c'est une question à double ressort aussi, parce que avez-vous peur en tant qu'auteur? C'est une phrase en tant que telle. Oui, je suis auteur parce que j'ai peur. Qu'est-ce que t'écris? T'écris la peur. T'écris quoi? Forcément, on écrit dans la peur et on écrit contre la peur. On écrit. Alors, il n'y a pas que Lovecraft. C'est-à-dire que cette question du malaise, du mal-être, de l'angoisse. Sinon, on n'écrirait pas. Donc, la question peur, ouais, c'est là qu'elle est. T'as peur là pour tes petits zigouigouis là? Franchement, là, tu t'en fiches quoi. Avez-vous peur en tant qu'auteur qu'un livre publié numériquement risque davantage de copies, plagiat, partage non autorisé? Pour moi, il y a une seule réponse. T'autorise le partage. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, ça vaut même pour mes trad Lovecraft ou tant de choses. Je les installe sur YouTube, elles sont accessibles là sur le site. Bon, j'ai ce truc Patreon qui nous rassemble aussi, où on peut installer une diffusion plus réservée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis, moi j'ai bossé tant d'heures et tant de machins et comme ça, et ça me soulage que ce puisse être dans un micro-circuit économique, avec même toutes les figures de circuits courts. Autrefois, on était dans ce truc, t'as la grande rentrée littéraire, et puis hop là, un petit bouquet de 7-8 livres qui se vendent à des dizaines de... Non, maintenant, tout ce qui est littérature, pour nous, littérature au travail, littérature en train de se faire, on disait dans les années 80, c'est des toutes petites communautés, mais que ce soit chez POL, ou dans cette galaxie-là qui est si belle d'éditeurs contemporains, mais de toute petite taille, je ne vais pas mettre de nom, mais justement, il y en a des dizaines et qui font un travail d'excellence. C'est cette question du travail de la communauté. Le travail de la communauté, bon, il y a toujours des vecteurs qui passent, qui sont héritiers des grandes traditions de la critique littéraire, comme autrefois, il y avait la quinzaine littéraire, on a eu autrefois le matricule des anges, je crois, qui tient encore, et puis de l'autre côté, aujourd'hui, là, c'est les revues web, c'est blog, est-ce que c'est l'activité réseau, est-ce que, justement, tu as accès directement à l'auteur, tu acceptes le dialogue. Auteur, lecteur, mais lecteur-auteur, ça se renverse totalement symétriquement. Oui, on ouvre les cloisons, on installe ce partage. Ce n'est pas la question de site de piratage, etc. etc. Là aussi, tu annules, tu le mets à dispo. Simplement, tu as ce truc qui est mis à dispo. Dans cette relation avec l'auteur, qu'est-ce que tu veux d'un peu plus? Est-ce que tu peux partager justement comment ça s'est fabriqué? Est-ce que tu peux faire en sorte que ce texte que tu aimes bien, tu aies envie aussi d'en disposer de la version papier? Et à ce moment-là, et même la version papier, moi il m'arrive quelquefois, y compris avec les jeux sur Patreon, de dire, voilà, j'imprime le livre, là j'en ai 50, mais je le distribue, ça coûte quoi? Ça coûte 1,40€ pour un texte là. Donc, installons même que le livre puisse être gratuit. Je ne suis pas le seul à travailler dans ces choses-là. Parce que dans cette valeur d'échange et de partage, on installe d'autres modes, y compris peuvent inclure une part économique. Alors, donc, enlevons la question de la peur. Pour la question du piratage et tout ça, l'autre nuance, l'autre limite, c'est que, par exemple, je travaille énormément sur Henri Michaud, ou avec Henri Michaud. Est-ce que Henri Michaud, on a des versions numériques? Non. À un moment donné, il en circule, on se les échange, on se les partage. Tiens, t'as pas ce truc-là? Ouais, je l'ai, etc., etc.
Donc cette question même là du piratage, j'ai aussi les livres disponibles. J'ai l'atelier d'écriture que j'ai fait la semaine dernière, dans l'œuvre de Volodine, qui est totalement centrale. Enfin, ce qu'on nomme Volodine, vous savez qu'il y a Lutz Bassmann, il y a Manuela Drager, Herbes et Golem, un livre que moi je ne lâcherai jamais de ma bibliothèque. Eh bien, l'édition d'Olivier ne le rediffuse plus. C'était aussi le cas récemment, plusieurs livres de Tarkos, Anachronisme chez POL, là, il vient de ressortir. Mais Daniel Colaubert, là, maintenant, là, chez POL, elle n'est pas disponible. Donc là, évidemment, en tant que numérique, on prend le relais en attendant. Donc cette question-là, je pense que la question de copie, du partage, elle n'est pas si simple que ça, mais ce n'est pas la peur. Ou voyez-vous au contraire cela comme un nouveau mode de diffusion et de partage des idées? Je pense que c'est lié aux choses précédentes, mais j'ai toujours cette réticence à dire diffusons, moi j'ai les idées, puis prenez-les, se battre pour. C'est-à-dire que, moi j'ai toujours l'axiome de Walter Benjamin qui dit convaincre est infécond. C'est pas comme ça qu'on fonctionne avec la littérature. On diffuse les idées ou bien on dit tiens, là je vais vous lire un texte de Franz Kafka, et puis. Peut-être que si vous entendez ce texte de Franz Kafka, c'est pour ça que YouTube, pour moi, est un formidable outil. Parce que sur le partage qu'on peut en faire, à ce moment-là, c'est pas moi qui partage verticalement. C'est s'installe depuis la plateforme, des circulations, avec des personnes, pour moi c'est totalement, totalement inédit, qui sortent de nos petites cloisons. Je crois que c'est quand même une toute petite nuance importante. C'est pas diffusé comme on serait avec un... Je remets pas en cause la formulation de la question. J'essaye de prendre ce en quoi... Comment elle fonctionne pour moi. Pensez-vous que le livre numérique est un geste en faveur de l'environnement? Alors là aussi, je comprends. Parce que alors là, en ce moment, qu'est-ce qu'on en prend? Évidemment, tous conscients, tous... l'obsolescence programmée, ou comment j'entretiens mes machines, ça nous concerne pour l'électricité, ça nous concerne vraiment pour l'eau, ça nous concerne pour la qualité de l'air, etc. Mais j'aurais tendance quand même à dire attention à quoi? Combien il faut d'arbres pour éditer Marguerite Duras? Mais si tu regardes l'économie, la fabrication du papier, beaucoup de papier est recyclé, des usines où le papier est broyé, lavé à l'acide, on lui met un peu de mélasse et de réglisse pour casser le blanc de l'acide, et puis ensuite en faire des rouleaux, on met un tout petit peu de chaux par-dessus, c'est ça qui est refait, comme ça, qui repart pour la fabrication de livres neufs. Les usines de broyage, pilonnage fonctionnent à fond. Qu'est-ce que ça représente par rapport, par exemple, à l'industrie du carton, puisque même si tous ceux qui vous livrent, là, les UPS, etc., font attention à cette diminution, à cet allègement des emballages, c'est quand même carton, 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 et c'est le carton qui bouffe même toute cette pâte à papier qui était première, mais... c'est pas eux qui mangent les arbres, en tout cas, il ne faut pas simplifier. Évidemment, il y a des tas de... Comment on lutte, comment on intervient? Soumana Roy, comment je suis devenu un arbre? Voilà une femme qui écrit depuis le Bengale, qui vit là, au Bengale, qui repose, qui reformule sa situation de femme avec cette question d'une relecture autre du végétal. Ça répond pas. Mais cette question ne peut pas se poser de façon strictement environnementale. Alors évidemment, on peut se dire, là, tu ne consommes pas d'arbres pour lire ton texte. Mais tu as combien de terres rares dans un téléphone? Et ça se passe où? Les bagarres impérialistes, par exemple, ou la Chine en Afrique, ou ces grands bassins de terres rares en Mongolie, et pour extraire... un kilo de terre rare, tu as 60 hectares de bassins remplis de liquides cancérigènes. Tu te dis que la question de l'environnement, c'est pas simplement la question
de l'arbre. La question de mettre sa, télécharger sa petite batterie et puis remplir le truc, c'est pas forcément une grosse consommation. En plus, l'avantage du livre numérique, c'est que c'est un tout petit fil. D'ailleurs, si l'appareil est rigide, c'est pas pour ce truc. Là, lui, on pourrait le froisser et tout ça. Mais des petites micro-billes qui se placent de façon fixe en haut ou en bas dans la page, qui redessinent les lettres, soit en blanc sur noir, soit en noir sur blanc, ça lui est complètement égal, contrairement à ce qui se passerait si on voulait imprimer des livres en blanc sur fond noir. Bah, faut nettoyer la machine après. Et ça bloque vite le rouleau. Mais une fois que c'est affiché, ça ne consomme plus. Donc, se dire que cette question environnementale, peut-être il y a un avantage, ouais, mais tu mets quoi, là? Tu as consommé quoi pour le fabriquer? Tes plastiques, tes terres rares, tes batteries. Et cette question, elle est évidemment indémêlable. Pensez-vous que le livre numérique ou texte numérique, ce qui n'est pas la même chose, on en a parlé tout à l'heure, le premier pas vers une révolution de la lecture. Et pour moi, là, ce n'est pas des questions qui m'appartiennent en propre. Je pense que les questions, par exemple, ont déjà été formulées par Roger Chartier au Collège de France dès le tout début des années 2000. Il est la question de l'informatisation, par exemple. L'industrie éditoriale a été déjà globalement informatisée dès les années 1994. Donc oui, il y a une révolution dans la production, la diffusion, la distribution de la lecture, la question même de la fabrication. On ne saurait pas faire des micro-gouttelettes comme on y parvient sur les imprimantes d'aujourd'hui sans une numérisation complète des... de l'éthanol et des pigments qui sont dedans, des petits vernis qu'on remet sur l'éthanol pour assurer une vitesse de séchage adaptée à la vitesse de translation. Tout ça, c'est l'informatique qui pilote. Ce qu'on travaillait, les gens comme Chartier, mais déjà, encore bien avant l'histoire du livre Fèvre dans les années 60, c'est la question des mutations dans l'histoire de l'écriture. Ces mutations, par exemple, c'est quelles cultures sont passées de l'oral à l'écrit, combien, quel pourcentage, et pourquoi certaines, les Celtes par exemple, si on prend les commentaires de César, ont refusé le passage à l'écriture, quelle incidence sur la mémorisation, etc. Aujourd'hui même, on est dans des questions qu'on repousse vers plus en amont. Qu'est-ce qui fait que certaines civilisations sont passées au langage oral, contrairement à d'autres qui ont développé les mêmes mythologies et généalogies uniquement dans des langages picturaux. Et c'est fascinant, totalement fascinant. Ensuite, il y a dans cette apparition-là de l'écrit, tout le monde sumérien, Babylone, le passage de l'écriture iconique, les petites images qui représentent des choses, comme c'est encore le cas au Japon ou en Chine, à l'écriture syllabique, c'est-à-dire cet objet abstrait, totalement fascinant, lire Wilhelm Flusser, qui est la constitution mentale de la lettre. Et là aussi, des choses qui ne sont pas indépendantes du support. Par exemple, c'est Italo Calvino qui développe ça sur l'écriture babylonienne. C'est à un moment donné, les contenus augmentent, la vitesse de graphie augmente, tu tailles le roseau en biais, le roseau fait trait, triangle, trait, triangle, au lieu de dessiner des courbes qui dessinent quelque chose, et on passe à l'écriture syllabique à cause de la vitesse et de l'expansion des contenus. Ensuite, il y a la mutation vers les rouleaux de papyrus, et encore, on est très loin de passer à un univers, par exemple, de la reproductibilité, quelque chose qui viendra beaucoup plus tard, au temps grec et romain, et encore pour certaines parties des textes séculiers, pas les textes sacrés, et puis de là, le passage au codex, c'est-à-dire c'est le livre qu'on replie et qu'on emmène dans sa poche au lieu d'avoir le grand rouleau. C'est des histoires qui sont passionnantes, mais un nombre de mutations extrêmement limité. L'imprimerie étant évidemment
une de ces mutations. Et là encore, est-ce qu'on peut sans cesse réaborder cette question d'un point de vue, j'allais dire, non pas naïf, c'est pas du tout la question, mais en faisant abstraction du travail théorique et de fond qui a été mené là. C'est-à-dire que, par exemple, Gilbert Simondon n'est pas un philosophe encore qui occupe la place qu'il devrait dans les lectures contemporaines. Sur ces questions-là, par exemple, je pense à l'invention de la lettre, un texte fabuleux de Wilhelm Flusser. Does writing have a future? Est-ce que écrire a un avenir? Et ce n'est pas une question qu'il pose à la légère. Par exemple, deux livres, pour moi, principaux. Mark Lewin, Understanding Media, je pense que c'est vers 1964. Friedrich Kittler, K-I-T-T-L-E-R, Gramophone, Film, Machine à écrire, tout ça, lui, traduit en français. Voilà, deux livres qui interrogent sur le fond les mutations techniques quand elles concernent des pratiques éminemment culturel, rituel, symbolique, comme le film, l'écoute de la musique, chez McLuhan, l'invention du téléphone, par hasard, sans l'avoir cherché. Et à quel moment, là, je réponds pas là, à Jade, je pose la question de façon plus large, à quel moment, par exemple, ce que ces objets qui fondent notre réflexion, pour McLuhan, ça fait quand même 60 ans bientôt, ces objets qui fondent notre réflexion, quand est-ce qu'ils deviennent des objets culturels d'appropriation, culturelle générale? À quel moment la société peut se mettre à placer dans ses apprentissages précisément ce qui permet de constituer ces mutations en objets de réflexion? Ça veut dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui ça nous donnera des solutions. C'est parce que aujourd'hui, dans l'accélération, dans la totalisation de cette mutation, comment on tient dans le présent? Comment on assure notre permanence de pensée dans le présent? Est-ce que c'est de la révolution négative? J'en sais rien. Mais en tout cas, pensez-vous que le livre numérique est le premier pas vers une révolution de la lecture? Nous, on ne parle pas révolution. On parle de la chance qu'on a pour l'écriture, le langage, d'un nombre restreint de mutations, et que là, on est évidemment dans une mutation aussi globale, irréversible, exhaustive que l'irruption de l'imprimerie ou l'irruption de la tablette d'écriture, mais que ces mutations-là, évidemment, dans le temps de transition, elles sont opaques. Et cette opacité, je pense que là, peut-être, ça fait seulement... c'est là ce travail de Roger Chartier là, dont je parlais. Prenez ce grand classique, L'apparition du livre, Lucien Febvre, Henri-Jean Martin. On est aussi dans la fin des années 50, milieu des années 60. Un livre, évidemment, totalement essentiel, mais qui nous parle des états successifs du livre. Nous, on a été obligés de penser les périodes de transition. C'est-à-dire, comment aller voir dans les transitions passées ce qui peut nous renseigner sur l'idée même de transition. Et à ce moment-là, ouais, la question du numérique, on peut l'appréhender comme étant un objet de pensée dont les conséquences sont, à nous, aujourd'hui, complètement inconnues. La question du divertissement, la question du temps, la question du balayage, l'asservissement à TikTok, ou bien nous, la responsabilité d'aller aussi dans TikTok. Ça, c'est indémêlable. Mais indémêlable, ouais, mais il y a du boulot à faire. Qui, quand, comment le fait, ce boulot? Et là, c'est pas passé encore. Et dernière, pensez-vous que le support numérique peut offrir un renouveau au livre et à la lecture? Comment aimeriez-vous que ce renouveau s'opère? Jade, on finit là-dessus. Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. C'est Baudelaire, le renouveau. Il est toujours derrière nous. Et c'est ça qui rend le présent hyper
beau à vivre aussi. Et important qu'on ait ce genre de dialogue. Merci. Et de me pardonner de faire ça là, sous forme de discussion et pas répondre boudou 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 au clavier. C'est ça.